Voilà. Tout ce qu'a fait Rara, blindé, bris, chat qui s'annexe civil, tout c'est corvée. Bon pour qui ça DCPJ, corvée. Parce que un, nous prenons affaire des gangs, l'ambagne des terroristes, l'ambagne des bandits sans foi ni loi. Donc, moi-même, m'interpréter ça comment? Tout ce qu'a fait là, c'est des intimidations. C'est le début de la répression. Elle dit là, nous avons une situation vraiment dangereuse. Automatiquement, où est que liberté individuelle violée? Automatiquement, où est que, ou pas qu'à exprimer à l'aise, nous commençons à supposer inquiéter. Je suis à l'intérieur avec les policiers. Même Dieu, pas peur rien parce que je ne suis pas un merde qui a privé là. Je dis non, pas un merde qui a privé là. Ouais, monsieur, au contraire, je suis content. Vous voulez que ça me content? Moi, je suis important pour nous. Moi, je suis important parce que c'est bri, c'est blindé qui vient sécuriser. Je vais demander ça, je vais vous mettre la caméra pour nous. Je vais me dire, Léon Charles, vous, on chat blindé moi. Il ne peut pas voir. Mais par contre, pour intimider les policiers, pour intimider la population, où est que Léon Charles a fait? Nous-mêmes, comme avocats, nous continuons à accompagner les policiers. Tout l'autre avocat, moi, je m'a dit ça, peut pas ici. Je vais lancer un message à mon cap gardé. Les policiers sont en danger. Je le répète, la SPNH est en danger. J'appelle au secours de la population parce que Kounia là, ou pas qu'à exprimer librement, ou pas qu'à faire conférence de presse, mais de vous faire Kounia, faut commencer peur. Et on a continué la bataille là, ma petite population, campez ensemble avec nous. La bataille, la victoire finale, doit se ranger aux côtés du peuple. Vive l'état de droit, vive les libertés individuelles. Merci beaucoup. Il met des gangs, il met un bloc de la police. Je dis à la syndicat de la police, tout le monde connaît dans le monde entier, l'existence. Je dis à la côté gang, après on se voit la suite, allez, on va regarder, on va l'autre pour en bas, on va arrêter qui est blindé, et ça c'est 10 000 dollars, on va dire. Parce que regardez les policiers qui mourent dans le village de nous. Je vais me parler de quoi policier ça. Je dis à ces SPNH17, c'est eux qui ont terrorisé, mais nous allons payer. Nous disons population, camper avec SPNH17. Parce que je dis à tout, mais même quand nous sommes victimes de la police. Un de la police, tout le monde connaît qui est frère. Qui est bon. Mais je dis à la, nous reconnaissons l'entrée dans la matrice là. Et ça fait nous pour soutenir nous. Nous disons que camper, population avec un homme pour nous. Puis quoi faire là. Nous disons, nous allons chercher la gang. Yo kundoso, voilà, ou t'as vendu gaz la police 2004, jusqu'à maintenant, vendu gaz la police encore, avec moun, on se bagarre yo kundoso, nous consommons ces voleurs et nous va paix. Nous dit, peuple là, prenez la rue, vignes de chine,
policiers, parce que nous avons campé pour faire la taille. Parce que des bouts entiers dans la matrice, le peuple a voté la matrice. On se bagarre, nous disons, nous ne pouvons pas camper. Nous sommes dans la bataille déjà. Nous ne pouvons pas reconnaître Jovenel. Mme Jovenel peut fumer depuis 7 février. Jusqu'à maintenant, monsieur là, nous disons, monsieur Sissé, des choukas là, national, la NFL, et nous prêts pour nous faire. Et la NFL nous fait sous toute forme. Je veux dire, il n'y a pas terrorisé les gangs, il y a l'autre de ghetto. Qu'est-ce qu'il y a terrorisé pour la petite là, pour la petite population. On se bagarre, nous disons, contre gang. Gang capture les policiers contre côté. Je veux dire, je premier ça vous a fait. C'est quoi policier pour t'as chercher par les familles. Je dis, c'est pas SPNH17 qui gagne non. Je dis à nous, on sale bagaille. Léon Charles, ramassez carré, ramassez Bundo, parce que nous connaissons déjà. On sale bagaille nous tout, on vient casser la police. 2004 tout est fait. Je dis, on vient faire. Mais nous ne pouvons pas casser parce que nous sommes vrais policiers. Après, nous faisons des choses que je veux. Nous comptons qui nous réformer la police. Merci beaucoup, c'est dirigeant parti politique. Je te salue, merci. Blindé, bruit, chant qui s'annexe civil, tout c'est corvée. Bon, pour qui ça des CPJ, corvée. Parce que, un, nous prenons une affaire des gangs, l'ambagne des terroristes, l'ambagne des bandits sans foi ni loi. Donc, moi-même, m'interpréter ça comment? Tout ça qu'a fait là, c'est des intimidations. C'est le début de la répression. Elle dit là, nous avons une situation vraiment dangereuse. Automatiquement, où est que liberté individuelle?
violé, automatiquement, ou est-ce que, ou pas qu'à exprimer à l'aise, nous commençons à supposer inquiéter. Je suis à l'intérieur avec les policiers. Moi, je me dis, je ne peux pas rien parce que je ne peux pas me mettre à privé là. Je me dis, je ne peux pas me mettre à privé là. Ouais, monsieur, au contraire, je suis content. Vous comprenez ça, je suis content. Moi, je suis important, monsieur, important parce que c'est bri, c'est blindé qui vient sécuriser. Je me demande ça, je me demande la caméra là. Je me dis, Léon Charles, vous, on charge blindé moi. Il pas voyer. Mais par contre, pour intimider les policiers, pour intimider la population, où est que Léon Charles a fait? Nous-mêmes, comme avocats, nous avons continué à accompagner les policiers. Tout l'autre avocat, moi, je dis ça, peuple haïtien, je lance un message à mon cap gardé. Les policiers sont en danger. Je le répète, la SPNH est en danger. J'appelle au secours de la population. Parce que Kounia là, ou pas qu'à exprimer librement, ou pas qu'à faire conférence de presse, mais ne débouffez le Kounia, faut commencer peur. Et on a continué la bataille là, ma petite population, campez ensemble avec nous, la bataille, la victoire finale, doit se ranger aux côtés du peuple. Vive l'état de droit, vive les libertés individuelles. Merci beaucoup.